tergiverse plus, je lance la VOD. Sur Assassin's Creed Mirage. J'ai encore voulu dire Valhalla. Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps. On est un peu dans la dernière ligne droite. On va voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Mais d'après ce que j'ai vu, on a mis des points de compétences, un peu nouveaux outils, machin. Va falloir que j'y aille. On a la quête de... Alors, c'est pas Naël, c'est Nihal. À chaque fois, je le dis très mal. À faire. Et je pense la fin de la quête principale, probablement. En tout cas, on va aller voir Nihal. Et il faut que je fasse suivre. Et je crois que j'ai un détail. Oui, c'est ça. J'ai un truc à aller chercher dans la carte. Pas dans la carte, dans la détail de la quête. Dans les détails de la quête. Oui. Pour savoir quoi faire. Détail. Donc il y a un truc d'un éclat mystérieux. Et il y a... Il faut que j'aille aux dunes d'Akarkuf. Enfin, ça parle des dunes d'Akarkuf. Mais je sais pas ce que c'est les dunes d'Akarkuf. Si ça se trouve, c'est un endroit que j'ai pas du tout exploré. Genre là-bas. En vrai, je sais pas trop quoi faire avec Nihal. Je m'appelle Nihal. Non, c'est Nihal. Et du coup, j'ai accès à un nouvel outil, mais bon. On verra, on verra. L'oasis du nord des dunes d'Akarkuf. Mais c'est où les dunes d'Akarkuf? Ah, peut-être si je prends le... Bah, ça me dit pas. Le canal du fief. Teinturie. Teinture. C'est ça les dunes... Non. Ça, c'est le palais d'hiver. Là-bas, je connais pas. Là-bas, je connais pas. Là-bas, je connais pas. Et là-bas, il n'y a pas de dune. Hein. Ouais, mais à votre avis, c'est dans quelle partie du désert? Alors que j'explore, quoi. Et bah, c'est Tipar. C'est Tipar, on va commencer... Bah remarquez, je suis au nord déjà. Oui, mais je peux me TP là, donc... Je vais peut-être commencer par aller voir ce point-là. Elles ont pas toutes le même nom. Bah ouais, mais tant que j'y suis pas allée, je pense que j'ai pas accès au nom de la zone, en fait. Je pensais qu'il y avait quand même un nom de zone un peu large. Un nom de zone, vous savez, quand on dézoome, même si on n'a pas découvert la zone, je pensais qu'il y avait au moins un nom de zone. Mais je suis pas sûre. Il défonce tout le monde. Et du coup, ils sont tous vénères, les gardes. Mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, c'est légal. Ils peuvent rien faire. Faut que je passe par où pour partir? Attendez, faut que je passe par où pour partir? Là, pour le coup, je... Oh, non, mais il y a vraiment que... Il n'y a pas de porte? Oh, il n'y a pas de porte. Non, mais c'est insup, par contre, de mettre des murailles partout. Ils sont fous. Vas-y. Je te rappelle après. Ah! Voilà. C'est bon. J'ai passé la muraille. Elle me saoule, cette muraille. Oh, c'est... Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé, ça, en vrai. Voilà, là c'est bien. Là il y a des dunes. Hein. Oh, là ça a dunes. Hein. Par contre il n'y a plus de son d'ambiance. J'avais mis plus fort, non? Mur de Trump pour empêcher les Mexicains de passer. Tout aussi efficace que dans... Et dans la vraie vie. Oh. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est joli, hein.
Attendez, là, il faut que je me soigne. Ouais, bon, tant pis, tant pis. Je voulais prendre l'échelle, mais tant pis, tant pis. Et du coup, je peux synchroniser ici. C'est tout Mimi. C'est probablement pas ici, mais c'est tout Mimi. C'est tout jaune orange comme les filtres Mexique des films et séries, c'est vrai. C'est vrai qu'au Mexique, il fait jaune tout le temps. Bon, alors c'est pas à Carcuf ici, hein, je pense pas. Mais c'est joli, je suis ravie de l'avoir trouvé cet endroit. Par contre, y a pas de nom. Ah bah si, c'est Oasis. J'ai faim. Coïncidence ? On va aller en bas maintenant. Moi aussi un peu. Parce qu'il y a encore l'odeur de ce que j'ai mangé dans la cuisine. Du coup, quand j'y vais, je le sens. Du coup, ça me donne envie parce que c'était bon. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. T'as fait des courses, Sam ? Let's go ! Allez, on va là-bas maintenant. En tout cas, c'est sympa. Moi, j'aime bien me promener dans le désert. Est-ce qu'il y a de la faune vénère ? Bon, je pense pas, à part les serpents. Remarquez, les gazelles m'attaquent tout le temps aussi. Attendez, je vais passer par là. Comme ça, je vais découvrir la zone, ça va mettre une machin de découvert. Mais je suis déjà venue ici. Site de fouille, mais oui, je connais site de fouille, enfin, je connais, je connais. Mais j'ai pas... Ah, j'ai pas fait à manger, ah! Oui, mais bon, t'as de quoi manger du coup, ça va. J'avoue, j'ai eu... À un moment, j'étais motivée pour faire à manger aujourd'hui. Puis paf, je l'étais plus. Qu'est-ce que c'est ça? Très bon coup. Ah, les serpents! Oh, ça, c'est des dunes un peu, ça. Pas vraiment, en fait. Comment ça, où? Un campement connu, ça? Non. C'est pas un point de... C'est pas un point d'intérêt. Classe, j'aime bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup été dans le désert. En même temps, j'ai pas grand chose à y foutre pour le moment, mais bon. Attendez, j'ai mis mon point où? Ah, mais c'est parce qu'il y a pas de... Bah si, ça c'est une tour, ça. Elle est pas très loin, c'est une tour de synchronisation. Bah non, mais je l'aurais su. C'est bizarre. Je vais regarder si ça me découvre un endroit. Qu'est-ce qui se passe? Mais je me fais attaquer par les gazelles encore, c'est pas possible! J'arrive plus à descendre, j'ai oublié. Comme ça. Paf, comme d'hab, un royal sauvage est terminé dans la cuisine. Non! C'est moi qui ai fait un truc, mais j'avoue, j'avais juste à mettre au four. Le retour du moteur usé. Ouais, c'est un peu lourd. Oh! Thank you.
Oh, on synchronise. J'ai aucune idée d'où on est, mais il n'y a pas trop de dunes là. Donc c'est pas au bon endroit. Mais au moins, je découvre. Mais il n'y a pas de nom. Bon, de toute façon, c'est pas là. Hein. Oh, Toto. Le coup de synchro, ça fait un point de TP. Ça fait un point de TP. Mais oui, j'aurais bien aimé avoir un nom de région, quoi. Bah, je peux... Bah, ça va être là-bas. On va passer par là d'abord. Ça m'a fait découvrir... voilà, ça m'a fait découvrir le point. Mais j'avoue que j'aurais aimé avoir un petit truc... vous avez découvert... Madame Hutte. Par exemple, quoi. J'ai pas de nom, mais... donc, vous avez compris le... Vous avez compris l'idée, quoi. Kenny! Ah oui, Biti Pitachu! Kenny! Exactement, Kenny. Oh, tu siffles trop aigu! En même temps, c'est normal, c'est aigu. Mais c'était pas grave. Bon, je vois pas trop des dunes là-bas. Oh, c'est stylé, regardez. Ils sont un peu pris... Ils se sont un petit peu pris la pierre dans la gueule. Mais c'était quand même stylé pendant quelques secondes. Des flamants. Pourquoi on a appelé ça des flamants? Ils vivent pas du tout en Flandre. Mais ils ont bien raison. Plaisant. À cause des wallons roses. Les flamants roses et les wallons... Mais non, bon... Non, pas le wallon. Vous étiez jaloux? Ouais, peut-être, peut-être, en fait. Oh, ça, c'est un peu... Attendez, attendez, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit quoi? Il y avait à la muf? Ça m'a découvert la zone. Il y avait écrit quoi? Il y avait écrit à Carcuf? Les dunes d'Akarcuf? Il a écrit ça ou pas? Pas le temps de lire. Je regardais pas. Un truc en U. Il y a eu un truc en U. Tu es à Carcuf ou pas? Dans la map, il n'y a pas écrit. Durkurigez le zoo. T'as clippé? Ouais, sinon c'est pas grave, t'inquiète hein. On trouvera, on trouvera. Je m'en vais, je reviens et ça remettra le truc. Mais c'est gentil. Oh! Oh là là là, tout gros! Comment j'escalade? Faut que j'aille là-haut pour synchroniser? Non mais tu sais pas à quoi t'accrocher alors tu t'accroches à moins sur des murs hein, je tiens à préciser hein. Moi je tiens à préciser hein. Je sais pas par où commencer, c'est fou. Ah, ici ça semble pas mal. C'est des briques humaines sur... Mais tu comprends pas cet endroit hein. Allez saute. Ah il veut pas escalader. Mais il veut pas escalader. Tu vas vraiment me dire que tu trouves pas de quoi escalader ici? Tu vas vraiment me dire ça? C'est un mal se mettre, hein. Bonjour, JM. Punaise, je galère à escalader ce truc. Pourtant, il y a plein de prises partout, hein.
Une étoile filante, je crois. Il a l'air joli, le ciel. Sacré rocher. Mais je le comprends pas, ce rocher. Il y a des briques partout. On voit tout à fait Dundakerkuf. Ah, merci. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. T'es le goat. Gratos. Mais je suis déjà venue ici, non? On dirait la grotte, elle ressemble à une grotte qu'on a déjà vue. Une minute. Donne-moi la force. Ah, on est déjà venu. Ils ont voulu faire une pyramide, mais ils ont perdu le plan. Ah oui, du coup, ils ont laissé leur inspiration créatrice parler, quoi. Je vois rien. Au nord des dunes. Ah. Mais au nord des dunes, du coup, il y a par là. Ou par là. Bon, on va y aller. Je me rappelle. Mais en fait, je pense que c'est pas une grotte qu'on a déjà faite. Ah, je suis pas sûre. Peut-être qu'ils ont pris exactement le même modèle de grotte. On voit une oasis. Ouais, mais là, alors ils disent au nord des dunes d'Akerkuf. Là, on est aux dunes d'Akerkuf. Ah bah voilà, c'est écrit. Mais je sais pas à quel point il faut aller au nord. Je vais passer sur chacun de mes points. Ah, mais c'est là où il y a du feu. À tous les coups. Il est vraiment rouillé, hein. Coucou. Quoi, reste là. Ah, c'est des méchants. Mais c'est cool, hein. Enfin c'est... J'aime pas ce qu'il faut que je cherche un endroit secret, ok? Je pense que c'est dans l'oasis. Oasis Nord. L'oasis à laquelle sont géniales. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Tu les tues pas? Franchement, non. Mais il y a un fauve. Quoi? Ouais ouais, mais je me demandais ce que c'était, si c'était un jaguar, parce que ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il y ait des jaguars dans la région. Jaguar slash panthère, voilà. La même. Il est classe. Ils sont pas dromadulaires friendly, oui. Quelqu'un qui lui envoie des flèches, ou qui m'envoie des flèches, je crois. C'était plus à moi en vrai. J'ai faim en tout cas. Vas-y, va te bouger le huc, fais-toi un petit truc.
Ça rime en plus. Et grignote des tucs. ok, trop sympa d'avoir un petit fauve là, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, je suis contente d'être tombée dessus. Par contre, je l'ai buté. Hein. Je l'ai totalement buté. J'utilisais ma... J'ai fait du sifflement et je voulais pas siffler. N'importe quoi. Ah, il me tire des flèches lui. Il va être chiant un peu. Je te préviens. Mince, je pars pas. Voilà, c'est quand même plus rapide si je le fais. Salut Dany, libère l'âne. Je sais pas si je peux hein. Moi à chaque fois que je libère des animaux, et ben ils m'attaquent après parce que mon perso il sait pas faire les choses délicatement. Pablo Cipo, hein. Oh, petit pépère. On peut même pas caresser les ânes. On peut caresser que des chats. Par contre, je vais bouffer un peu. Ça, c'est cool. Je vais continuer à loot dans ce coin-là. Si je peux retrouver... Il y avait encore de la bouffe, je crois. Bon, il y a un truc ici, mais je vais pas pouvoir l'atteindre si. Voilà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Je sais même pas ce que c'est, ça. Ça met de la lumière. Ah, c'est les buissons! C'est parce que je peux manger dans les buissons. Ok. Et du coup, ça me servait à quoi? Je vais appeler mon piaf. Ah, c'est peut-être là-bas. Ah, faut que j'aille là-bas en fait. Allez, monte s'il te plaît. Merci, c'est fort cordial de ta part. Mieux que je sois pas à pied, parce qu'il y a quand même des bestioles qui veulent me buter. Qui c'est là-haut? Une gazelle? Oui. Je sens qu'il y aura encore des gardes. Oh, peut-être pas. Et je sais pas comment je suis censée trouver le lieu caché. Faudrait que je regarde dans les écrits qu'elle m'a donné. Enfin, il y avait pas écrit grand chose, il me semble, mais bon. Qu'est-ce que c'est? Une note? Bah voilà. Il faut davantage d'ouvriers au site sud. Mince! Il semble que les membres des Fahabines aient déjà exhumé les éclats. Cesse de creuser et amène-les-moi. Vite, tant que tu n'auras pas trouvé le moyen de rejoindre la salle sous l'oasis. Les éclats devront être en permanence sous bonne garde. T'as machin. Les auront constamment sur eux. L'état machin. Ok. Mais synchronisation avant. Mentionne une salle sous l'oasis. Il faut que je la trouve maintenant?
Bon, on va voir. Si j'ai pas assez d'éclat, je sais pas si je la fais. Hein. Bah, je la ferai peut-être pas. On verra. Ah oui, on voit l'entrée secrète maintenant. Ah, ce serait marrant que je doive plonger pour l'atteindre. Possible, hein. Pas le temps! Ouais, tout à fait! Trop bien! Ton esprit est ailleurs? Comme la vérité, tu sais. Je me demande où cela peut bien mener. Oh, j'aime bien ce genre de teugros. Oh, c'est trop joli! Ça donne trop envie de se baigner. Baigne-toi! C'est un ordre! Je vais sous l'eau, direct. Vous, vous aimez bien ouvrir les yeux sous l'eau? Moi, même quand c'est pas de l'eau chlorée, j'y arrive pas. Hein. Ça fait tout flou et ça fait quand même mal aux yeux. Et puis si tu nages vite, en plus, c'est fait encore plus mal aux yeux. Bonjour, princesse! Incapable de les ouvrir sous l'eau. Mais ouais, moi aussi! Ouais, j'ouvre, sinon je vois pas où je vais. Mais franchement, moi, je lève la tête hors de l'eau, tu vois. Mais comment ça va? Ben, ça va. On est dans une quête secondaire d'Assassin's Creed de Mirage. Et puis, après, on va attaquer la fin de la quête principale, probablement, en tout cas. Donc voilà, et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau, princesse? Mais oui, moi j'arrive pas, en fait, quand j'ouvre les yeux sous l'eau, bah ça me fait mal aux yeux, peu importe l'eau. Alors bien sûr, quand c'est du chlore, c'est pire. Ou de l'eau salée. Et c'est tout flou, en fait, je vois pas grand-chose. Let's go! Quelle est cette magie? Oh! Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'était un moyen de l'affaiblir. Et c'est toi, affaiblir? Oh, une épée! Je peux choper une épée! Déposer 5 éclats mystérieux. Ah bah j'en ai 5. Parfait. Les éclats fonctionnent. Peut-être dois-je en employer d'autres. Tenue de Milad. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, d'accord. Oh non, mais j'en ai dans Destiny là. Les assassinats aériens réussis génèrent un éclat qui désoriente dans un rayon de 15 mètres. Mais c'est... Ah ouais, ça la tronche. Y a pas de téton, non, malheureusement, y a pas de téton. Oh mais la tenue OMG. Elle est encore plus chaud que l'autre, ouais. Oh, j'ai assez. Moi je veux l'épée, moi. Je pense que j'aurais pas assez pour ça. Et oui, il m'en manque. Ah, c'est con, j'étais pas loin. Faites voir l'épée. Réduction de la santé maximale de 50%, mais dégâts accrus de 50%. Eh, en vrai, pourquoi pas, hein. C'est dangereux, mais pourquoi pas. Il me manque juste un éclat, ouais. Un plus grand nombre de ces éclats. Oh putain, c'est du coup il parle comme Dark Vador. Il résonne un peu. En vrai, on peut choper l'éclat, hein, qui nous manque, je pense. Il nous en manque qu'un. On va le faire. Tu joues Destiny? Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai vu la tenue. On s'est dit trop pareil, toi et moi, Buisson Delphine. Tu vois rien avec ça? Ah, complètement, ouais. Encore moins les yeux fermés sous l'eau. C'est pas faux, c'est pas faux.
Il me manque un éclat, j'ai MTP ici, je sens bien l'éclat. Je sens bien l'éclat là-bas. Oh la tenue quoi. Ah ouais c'est... Assassin du turfu. On est trop pareil, continue à nourrir ma relation parasociale. Bon, il me faut un dernier éclat. Et on pourra avoir le truc qui nous manque. Oh le piaf, il peut m'aider à trouver des éclats. Oh ils sont là-bas ou c'est les coffres ça? T'as rien trouvé c'est ça? T'as rien trouvé le pauvre. Peut-être là-bas, je suis pas beaucoup allée. Allez, un dernier. Est-ce qu'il y a un endroit précis ou pas? Moi, je pense pas. Au pire, là-bas, il y a une énigme. Je vais la pécho. Ah, mais je suis trop allée dans cette zone-là. Il y a une énigme là-bas. On va récupérer l'énigme et choper l'éclat. Je vais rester avec cette tenue pour le moment, mais pas longtemps. Mais je viens de l'avoir. T'es passé devant, on voyait un sur deux. Où ça, où ça? Comment ça, il y avait vraiment un truc, un éclat? J'ai envie de manger du pain. Juste du pain. Du bon pain. Oh! Éclat mystérieux, GG. Tu le l'as vu. Où est-ce que je peux me TP? Bah, bien sûr, nulle part. GG catholique, c'est vrai qu'il y a écrit 1 sur 2 sur la map, sur la zone. Il te dit oui, dans cette zone, t'as trouvé tant d'éclats sur tant d'éclats, machin. Tu as raison, Catholic, je regarde pas. Tu as raison. Tu es où le saut? C'est en face? C'est bien passé. Oh. La tenue est classe, hein, mais elle est tellement... Elle est tellement pas dans l'ambiance. Sans parler de la logique du truc, juste elle est vraiment pas dans le délire, quoi. Décampe. Classique des tenues de l'époque. Tout près. J'aime trop comment il parle. Oh mon Dieu, t'attends ! Cet homme a tué quelqu'un ? Non, c'est pas vrai. Un autre éclat. En plus, je vais être facile à... Ça va être facile de se fondre dans la foule, là. Idiote! Il a vraiment dit idiote! J'aimerais bien qu'il y ait un banc pour me fondre dans la foule sur le banc. Il faut que je trouve comment employer tous ces éclats. Non mais je sais moi. Bon bah voilà. Quoi? Je peux pas parce que je suis recherchée. Non, ta gueule. C'était quoi ça? Je peux me TP là normalement. Ils ont perdu ma trace donc je suis censé pouvoir me TP. Non. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Eh oh! Non mais lâche! Arrête de perdre la clé d'entrepôt! Fais recoudre tes poches, trouve la clé ou nous allons tous les deux le payer. J'étais un criminel. Oh. C'est bon, je peux me TP là? Ou alors c'est avec la tenue, je peux pas? Dis-moi que je peux. Pourquoi je peux pas? Que je suis en intérieur peut-être? Attendez, je vais sortir. Zone interdite. Ah oui, je suis dans une zone interdite, tu as raison. Ok.
Et là? Oui, c'est bon. Punaise, la tenue quand même. C'est où? C'est là-bas. Bon, j'imagine que du coup le dernier c'est une dague. Par contre j'ai pas beaucoup de vie hein. Là on... tout ce que vous voyez en gris et en bleu c'est la vie que j'ai totalement perdue. Mais bon, si je fais beaucoup plus de dégâts c'est intéressant. Après je sais pas si je fais plus de dégâts aussi avec mes couteaux de lancer. Ça me plairait bien. J'ai oublié. Ouais, c'est vrai qu'on l'aurait vu si ça avait été une dague en fait. Allez, remonte! Mais remonte pas! Oh. Et ça doit être lourd avec tout le métal. Et tout et tout. Hey, il est coincé! Il s'aimante à des surfaces! Stop it! Mais va si lentement. Allez, allez! Si, si, c'est une dague. La Sam, c'est Sam, ça m'a. T'as entendu Sam? On a chopé la Sam, 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 Sam. La Sam, Sam. Chaque cinquième coup soigne Basim à hauteur de 10% de sa santé. Et bon, let's go! C'est bon, j'ai tout l'attirail. Ça fait quoi déjà, la tenue? L'assassinat aérien. Mais j'en fais pas beaucoup, hein. Forcément une dague, génial. C'est une dague comme toi. Elle régène la vie à hauteur de 10%. Tous les 5 assassinats. Il y a des teintures. Ah, bonne question ça. Je pense pas. Tenue inconnue, je l'ai toujours pas celle-là. Un autre avec Naël. Eh ben on regarde. Bah c'est tout. En même temps moi je suis sûre que c'est une méchante et qu'on va la voir ici. Mais en tout cas on a eu la récompense de cette quête là. Mais effectivement c'est un peu... Je sais pas, il manque un truc. On dirait pas. Ouais j'ai l'impression que j'ai tout trouvé. En tout cas quand je vais là, j'ai tous les indices. Là, bah ça me dit juste... le repère. Notre repère. J'ai tout. Ce serait bizarre que ce soit une méchante, mais elle te donne un set ultime du jeu. Bah... je sais pas. J'avoue que c'est con. J'avoue. Mais c'est pas validé, hein. Mais c'est tout ce que j'ai, en fait. Je peux rien faire d'autre. Ou alors, faut que j'aille à Ambar. Ambar. Je sais pas où ça. Nial pourrait être dans notre repère. La vieille maison. Mais je suis déjà allée, mais je vais peut-être y retourner. Mais je sais même pas où elle est en fait. Ils sont mignons.
Oui, peut-être, ouais, catholique, peut-être. Peut-être qu'il faut que j'avance un peu dans la quête principale. Bon, on y va, on va se rendre au bureau. Après, j'ai plus l'impression qu'elle nous a donné une info sur des reliques, mais sans savoir ce que ça nous donnerait, et hop, ça nous a donné une tenue cheatée. Enfin, cheatée. Tenue sympa. Je sais pas. Mais je veux voir une cinématique avec lui dans cet état. Ça me plaît beaucoup d'avance. Tu as pris ton temps. As-tu attendu ? Oh non, il a pas le casque. Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Oyun sont distraits. Oui, bah Ali. La population partagée. Ça va bien. Comment ça, partagée ? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakkil. Non. Tu de lui. Non, pas fait ça, le fils de Mutawakkil. Il était au palais la nuit où son père. La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Ah oui. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Elle dit là la haine complètement. Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis pour mieux les vaincre ? Il y a un début de cataracte. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Bassim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Bassim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Dégueu. De quoi la cataracte ? Moi, c'est une maladie surtout. Alors, c'est une dégénérescence quoi. Ah les moignons. C'est rien dit. C'est vrai que l'image était imagée. Mais franchement, avec tout ce qu'on a buté, on peut pas vraiment être quécho quoi. Enquête hein. Oh, d'accord. Il y a tout ça de nouveau. Donc choisisse où je vais. Ça c'est quoi ? Trouver Harib. Et ben let's go. Une poétesse, dirigeant et une... Il me fait trop rire avec son casque. C'est un peu ridicule mais c'est marrant. Bah sinon je fais l'autre quête. Trouver, voilà. On sera juste à côté du TP. On y va. Surf moignon. Ah il est tard quand même. Il est quand même déjà 1h13. Je comprends qu'on fasse des super vannes. Je saurai bientôt qui porte le masque. C'est toi qui porte le masque. Des centaines de femmes gardées loin du regard des hommes. Let's go, on va au RM les gars. Mieux est peut-être encore plus secret qu'à la honte. M'intéresse pas. Y a un truc à arracher. Rien à voir avec les moignons. Je suis un homme recherché. Voilà. Les 50 vierges du harem. En réalité, hein, si elles sont dans un harem... compliqué, quoi.
féminité, virginité, tout ça. Pourquoi elle apparaît pas sur ma carte le truc? Ça m'énerve ça quand ça fait ça. Bon, bah je vais mettre un point à côté. Ça y est, voilà. On a enfin attrapé le faux monnayeur de ta vie. Ouais, voilà, c'est comme dit Sam, quoi. C'est dans un harem, souvent. Elles sont pas vierges très longtemps, tu vois. Mais je m'y connais mal en harem. Par le nuque. Ouais, il est peut-être. Il est peut-être nuque, mais pas forcément vierge. Genre. Avant, tu vois. Je sais pas comment ça se passe non plus chez les eunuques. C'est pas là qu'il faut que j'aille ? Faut que je cherche des infos. Attendez, on va faire ça. Celui-là qui a peut-être des informations. D'accord, mais il est où ? Il ou elle ? Ah, je m'éloigne. Et je comprends pas. Machin, peut-être des infos, sauf que ceux qui sont en rouge, c'est des méchants. Et je faut que j'aille où ? Ah, faut que j'aille là d'abord. Celui-là. Oui, j'étais pour s'affoler, mais je m'en fous. Salut John Photography, merci pour le follow, des bisous. Nami de One Piece, je connais pas. Je connais pas le One Piece. Coco. Coucou toi. Vous pouvez pas me donner les infos avant? Mon chasseur d'informations et maître. Avec le casque. Pour toi, Basim. Bah, je vais parler à. Ces mots semblaient relever du. C'est à son talent, Karib, artiste. Une poétesse. Renommée. Une luxueuse maison à Villeronde. Autre question. Caliba. Que sais-tu sur Kabiha? Kabiha. Esclave, Kabiha est devenue la concubine préférée d'Al-Mutawakil au harem. Une autre question? Parle-moi du gouvernement. Mohamed fait partie des Tahirides, de traite. Une autre question. Ok. Voilà, ville ronde. Nos suspects. Tous les trois habitent dans la glorieuse ville ronde. Une autre question? Non, c'est bon. Shukran Fulan. C'est un mais tu. Eh bah, tant mieux. Sans venir me déranger. Oui, bah, t'avais qu'à tout me dire d'un coup plutôt que de me faire repasser là. Punaise, et maintenant je retourne. Super, hein, super. Passionnant, hein, super. Un harem qui prépare à l'avance. Un harem qui prépare à l'avance. Il se croit dans V pour Vendetta. Oui, c'est vrai que oui. Ah, il y a un peu plus le côté métallique là. Mais oui. 8-8 ! Allez ! Faisons chier les passants. Pardon. Excusez-moi. Les entrées dans le harem sont les eunuques. Le calife lui-même. Étant ni calife ni eunuque, cela risque d'être amusant. Déjà, on va faire ça. Eh, au pire, on frappe. Non, n'y songe même pas. Passe ton chemin. L'amabilité. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. J'aime bien le mec. Eh, mais j'ai peut-être pas la bonne tenue aussi. Imaginons, je suis comme ça.
Avec mon téton. Le glorieux téton. Non, bah non. Pourtant, en vrai... Je trouvais que c'était... Non. Je me fais repérer instant. J'ai mis une seconde à être menacée de mort par les gardes. Et à me faire attaquer. Une fucking seconde. Et c'était déjà mort. J'ai vraiment pas mis longtemps. Ouais non mais là c'est abusé Catalyst. Bon j'aurais dû utiliser mon oiseau. Savais-tu ou ne savais-tu pas au sujet de l'oiseau ? Offre-nous une meilleure vue. Ah, t'as vu un truc ici ? Qu'est-ce que t'as vu ? Bon, on y retourne. Que voient tes yeux ? Non. Oh, je suis tombée. Non mais arrête ! Oh, il m'agace. Ok. Ouais non, qu'est-ce que je fais là ? Pas du tout besoin d'aller là. Non non, mais on va tenter les choses mieux. Bestacé, c'est Odyssée en grec. Je l'ai pas fait. Donc je suis pas d'avis. En Grèce, pardon, j'ai dit en grec, en Grèce. Moi j'ai fait Valhalla et avant mon dernier c'était Brotherhood. J'ai même pas fini Valhalla. Et j'aime beaucoup Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood. Voilà. Ton téton a affolé. C'est vrai ça. Chaque fois hein. Puritanisme. Ça va se passer, je vous promets. Je vais y arriver, je vais y arriver. Nouveau costume pour tester l'attaque aérienne. Ouais, c'est vrai, mais faut que je puisse attaquer déjà. J'arrive pas à trouver un bon angle. C'est que ça a duré plus longtemps. On va s'améliorer. J'ai dodo. Bah va dormir petit tenté, t'es fatigué. J'ai une nouvelle tenue hantée. Alors c'est pas celle-là, hein, je l'ai rechangée. Mais je vais la mettre la nouvelle. C'est ton ? Non. Elle est comme ça. Non. Dark Vador slash Destiny. Oh merde, y'a quelqu'un devant maintenant. Passe mon temps à siffler sans le faire exprès. Me supplier d'en finir avec toi.
déjà mort. Tu vas souffrir. Bon, ça va faire un éclat de lumière. Mais téton quoi? Oui, il y a pas de téton. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Personne ne peut se cacher de moi. C'est fini. Un joli cadeau pour toi, Alash. Là, on voit le camouflage, il est bien. Parce qu'il y a vraiment c'est une grosse densité de végétation. Tu es là quelque part, n'est-ce pas? Non! Des bisous, hein, t'es bonne nuit. Pas de soucis. Adorable. Bon dodo. Ah, faut que j'aille écouter là-bas. Ah mince. Bah j'y vais. Oui, je devais sauter là-dedans. Super. Ah, je peux écouter ici? Faut que je m'asseye. Son influence décroît. Elle compte chaque jour moins d'alliés. Kabeha est une femme importante, Farah. Elle l'a été. Du vivant d'Al-Mutawakil. Mais son fils ne lui a pas succédé. Et son temps est à présent révolu. Quand la marée s'en vient, voudrais-tu que le reflux t'emmène au large? Nasrin, je n'aime pas prendre part à la politique. Je t'en prie. Nous te connaissons bien. Oh, assez! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre. Attends-les à la porte, Makira, et fais en sorte que tout se passe bien. Viens, Nasrin. De nouveaux serviteurs? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Ah, il faudra que je me fasse passer pour un nouvel eunuque. Je pourrais me mêler à eux. C'est quoi une tenue d'eunuque? En zizi, hein. Ça va être chaud à imiter. Et bonne app, Anté, si tu vas manger. Ok, on va chercher une tenue de nuque. Cette tenue ressemble pas à un eunuque? Peut-être à ma taille. Apparemment. Dommage que quelqu'un le porte déjà. La fin justifie les moyens, hein, Dieu, il avait rien demandé, hein, mais apparemment, les assassins, il faut la justice, tout ça, hein. Venez, hein. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de toi. Azim. Emploi des déguisements. Ok, let's go le déguisement. Un peu serré à la poitrine. Et bah pas du tout, hein, en vrai. Serré à la taille peut-être, mais pas à la poitrine. Pas du tout. Hein. Génial. Dégage toi aussi! Toi aussi, dégage! Toi! Toi! Et toi aussi, dégage! Et vous, dégagez! Et vous aussi! Espérons que ça va marcher. Salut! Je rentre comme si de rien n'était, il y a encore le cadavre au bord de la porte. Ça m'étonnerait, c'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Makira, assalamu alaikum. Tu le connais, Makira? Je... Quoi? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, je... Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Il fait trop le fanfaron, hein. Je trouve zéro crédible. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas.
Barakallah fiki, ya Sayyidati. Ok, je suis infiltrée. Let's go, l'infiltration. Bonjour. Je vais bouffer un peu. Hop là. J'ai de nouveau ma vie full. C'est bizarre. Pourtant, j'ai mis une transmo, quoi. Enfin, j'ai mis une tenue, mais pas... j'ai mis juste un skin, quoi. Fouille le bureau. Ok, je vais fouiller le bureau. Ah là, c'est zone interdite même pour moi? Dis-moi, toi, es-tu perdu? Tu n'as pas le droit d'être ici. D'accord. Les œuvres culturelles de Santa Fantasme sur le fait de pénétrer dans le harem. Je sais pas, on va dans tout plein de... d'endroits autour... enfin, durant l'aventure, en fait. C'est même la seule fois où on entend parler d'un harem de tout le jeu, donc je sais pas. Ça fait partie... ça fait partie des endroits mystérieux, tout simplement. Par contre, je sais pas par où passer. Je vais pas pouvoir monter à l'étage de manière légite, je pense. Faraloum Macha nous a interdit de parler à des rebelles. Mais comment ne pas adhérer à l'avenir qu'ils promettent? Nous pourrions découvrir le monde, marcher hors de ces murs. Aucun homme n'oserait nous retenir. Nous pourrions danser à loisir, chanter quand quelque chose nous émeut, lire ce qui nous plaît. Sans avoir aucun homme à servir, nous ne serions plus des objets. Notre corps, nos choix, notre sort n'appartiendrait qu'à nous. Ouais, à l'époque, je suis pas sûre que... le fait de voyager promette ça, hein, malheureusement. On m'a ôté les bras de ma mère, mon unique consolation fut la promesse de sœur. Mon famille serait mon sanctuaire et ma force, pour quelque temps elles le furent. Mais un mal... Oh putain! Entendons flacon, c'est un sup! Mais un mal s'est répandu, la cruauté et l'ambition qui étouffent le monde ont franchi nos murs. Mes sœurs sont devenues des vipères, je refuse de devenir une prédatrice. Mais je ne serai pas une proie. Je fouille un peu juste pour trouver une autre entrée possible. Je m'appelle Amir. Je vis au harem. Ma couleur préférée est le bleu. J'aime jouer le oud. De l'oud. Ça dit de l'oud? Oui, je... Oui. Deux frères et une sœur, ils sont gentils. J'ai un fouet en forme de guépard. Un jouet, pas un fouet. Mais j'aimerais en avoir un vrai. Mais ça ressemble pas à un guépard, le... Le fauve qu'on a vu. Ça ressemble plus à un jaguar qu'à un guépard. Il semblait pas assez fin. Ouh, je disais ça. Ah, mais ça doit être pour pouvoir monter quelque part. Ouais, on va tester. Inspiré de réel, j'en peux plus. Mais escalade, tu peux escalader, dude. Ah non, il veut pas. De goumer un peu. Ah oui, non, il veut. Ah, je peux rien escalader, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est parce que t'es mal sapé? Tu veux que je te désappe là? Je peux pas escalader? Je peux pas escalader. Quoi? Je pensais pas que le fait de revêtir cette tenue m'empêchait d'avoir des genoux.
Un train discret d'escalader, mais je suis seul. Oh attendez, il y a un truc. Comment c'était ça, je l'ai pas pris. Bon c'est pas grave. Bon, faut que je fouille le bureau. Comment le trouver? Il est déjà ici, à cet étage. Il était pas en haut. Oh bah il est juste là. Ouais mais un gros cadenas. Mais oui. Oh, il surveille. Qu'est-ce que tu fais? Il surveille même pas ses arrières. Hey, il est pas doué, hein. Akira, je ne faisais que... T'as juste fait du home staging, oui, c'est vrai. Akira, tu n'es pas un eunuque. Alors, pars maintenant ou je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi? Que tu m'as laissé entrer? J'en étais sûr qu'il allait faire du chantage. Qu'elle soit ravie de l'apprendre. Tu es une Kahramana, non? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi... Depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin? Quelqu'un qui ne te jugerait pas? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Akira. Ou envie? Il y a quelque chose. Abbas... Il se laisse convaincre vite, hein. Il n'a Dieu que pour Farah, l'Oumualad. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... Et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasr. Eh, c'est terrible, en vrai. Farah lui accorde toute sa confiance. Genre... Pour sa potion magique. Farah a une potion magique? C'est Nasrin qui la transporte. Et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible. Mais je donnerais n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner à moi? Elle va pas de poucave. La clé de ce bureau, là. Phare pour les yeux et potion magique. Tes désirs sont des ordres. Phare pour les yeux et potion magique. Vraiment? La meuf, elle a sûrement une condition vraiment pas ouf. Genre, elle est servante. Et ce qu'elle veut, c'est du maquillage et une bière. Si, j'ai bien compris. Ah ouais, non, c'est vrai, je l'ai tué, lui. Faites pas gaffe à ce qu'il y a dehors. Vraiment, he's okay. Tu tombes bien. J'ai besoin d'un avis impartial à propos de mon poème. Je m'interroge au sujet de la 23e strophe. C'est quoi une strophe? Oh, va-t'en, Béoxien. Alors, quelle est cette potion magique? Ah, j'ai poussé du vent. Pourquoi devrais-je apprendre la gèbre? De l'alcool. Je m'en servirai jamais. Ah oui, d'accord, c'est pour ça! Punaise, c'était pour ça! De plus grands yeux amélioreraient mon déguisement. Non, non, sois sérieux, Basim. Il te faut cette clé. J'ai le phare et la potion. Autour de la clé, maintenant. Non, je peux pas escalader. J'essaie d'escalader le moindre truc, je peux pas. Et voilà. Oh, merci. Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions. Mais assez vieille pour savoir à quoi ils servent. Ils ont raison. Alors, cette clé. Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu Le Jardin et ses mystères. Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Hello, Siri Sniper. Tu l'as lu? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Oh, il va falloir que j'aille le chercher. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît. Si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre, elle est au coin est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein? Phare, potion et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. Bah... Au moins tu le joues bien, hein, Duodin. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Le mec, il veut jouer les serviteurs, mais sans se mettre au service des gens. Fascinant. Comment je fais pour lui? On la sauce un peu.
Bon bah voilà comment je fais en fait. Alors. Oh oui non c'est vrai, faut pas que je me fasse opérer. Mais je peux pas escalader ? Ah si je peux escalader. J'ai eu peur. Qui est là ? Qui est là ? Du danger dans l'air. T'es pas genre déguisé pour éviter de tuer les gens. Mais là je suis quand même dans une zone où de toute façon j'ai pas le droit d'être même déguisé. Donc voilà. Donc franchement je tue hein. Non, non il l'a pas assassiné parce qu'il est couillon. Et j'ai pas d'armes. Ah, ah je suis dans la sauce. Complètement con comme principe, bah c'est que j'ai pu aller dans le harem grâce à cette tenue, mais je peux pas aller dans toutes les zones du harem non plus. Moins là en gros quoi. Bon je l'ai tué à main nue et ça a suffi. Alors c'est bien. Voilà, ça va. Oui normalement c'est bon, en plus je fais... Non arrête. Oh putain hé. J'étais gratos, j'avais pas besoin. Ah ouais, d'accord. Ah, ça fait ça. La lumière. Il y a sûrement un autre moyen d'entrer. Cela dit, je peux m'arranger. Hein. Je suis pas caché. Bon, ça fera. Ok. Là, je suis un peu peinard ici. Du coup, je vais faire le tour. Putain, je me trompe de touche. J'ai peur qu'il fasse un très grand saut. Les appartements dignes d'un calife. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Oh, ça se moque de toi, dude. Pardonne-moi de venir troubler, te troubler en ton refuge. Moi aussi, les montagnes de chez nous commencent à me manquer. Mais le seul... Pardon. Mais seul le fou fuit. Mais seul le fou fuit. Alors qu'il n'y a nulle part où aller. Si cette menace persiste, il n'y aura plus de sanctuaire pour aucun de nous. J'ai songé à des mesures, je te demande seulement de me croire lorsque je t'affirme que leur coup est justifié. Jamais à ton service et celui du calife. Ah. Ouais, d'accord. Pas trop compris, mais aucun. Je peux ouvrir la porte, oui. Même ça sert plus à rien. Bon, on l'a eu, c'est super. Maintenant... Maintenant, on va tomber dans le piège de l'autre, là, qui se fout de nous. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit un piège. Je sais pas par où passer, bah, par la porte. Ici. Très bien. Je sais plus. Peut-être. Je sais plus. Il y a un mort. Oui, c'est là. Suivre les cadavres, c'est mon petit poussé à moi.
Tu peux pas courir plus vite, dude. Ma part. Toi. Toi. Kabira acceptait peut-être les retards, mais je ne suis pas aussi indulgente. Pardonne-moi, Farah. Cela n'arrivera plus. Farah? Pour toi, elle est Saïdati ou Oum al-Walad? Allez, maintenant, file. Va travailler. Ma parole. L'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Pourquoi je vous parle? Pourquoi je vous parle? Farah ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trône. Tu connais pourtant sa mère. Ah oui, il faut que je dépose le livre quelque part, mais je sais pas où. Ah, là-bas. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Je crains d'avoir créé un monstre. Le livre est dans ta chambre. Maintenant... Maintenant, mes yeux sont plus grands. Beaucoup plus, oui. Ah oui, elle a fait un... Ah, elle est bourrée. Cette clé. Potion et... Ah non, elle a pas fait des yeux. Donne confiance. On voit pas de différence, je en fait. Je pourrais affronter le monde entier. Oui, oui, je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends. Il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Oh. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Basim. Ça suffit comme ça. Elle est toute rebou, c'est rigolo. Les décors sont très jolis, hein, dans... en tout cas en bas, c'est vraiment mignon. Reprends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de ma... C'est fait fourrer solide, si complètement. Des mains. Un peu ridicule, mais c'est rigolo. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Oui. Quoi? Tu ne l'as pas? Tu as peur de Kabira? Mais ça me tenait qu'elle l'ait. Non, non. Son étoile est tombée. Tout le monde le dit. Hein? C'est juste que je m'amusais, c'est tout. La voilà. On regarde même pas. Je vais pouvoir trouver mes réponses. Mal à la tête cette excuse. si elle a jamais bu d'alcool. L'épingle à cheveux, celle de nez. Oh, l'épingle. Quand Kabeha se l'est-elle procurée? Non, c'est même pas la tronche de... De Kabira. Carte du califat. Et d'Alamout. Mmh. Rage de l'océan, j'apaiserai les tempêtes. De brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, plonge dans... En mon sein. Vole comme la colombe. Mais viens dans mon nid. Où tu iras, j'irai. Où tu reposeras, je reposerai. Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Oh bah, eh, pas fou, hein. Je me souviens de ce parfum. Je l'ai senti au bazar. Et peut-être au harem. Oui, il en avait parlé d'un parfum. Son apparat, la pièce est vide. Vas-y, me peut me chercher un doliprane, oui. C'est vrai. Commencez par Kabeha. J'ai vu Nasrin la lui donner. Oh. Ah, carrément, la meuf, elle a empoisonné Farah. Qu'est-ce que c'est? En nous disant de lui apporter un truc. Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait? Détends-toi, personne ne nous regarde. Oui, et puis fais pas genre. Ils sont trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin?
Le jardin et ses mystères. Rien de grivois. C'est sûr que c'est un piège. Je pensais pas que c'était ce genre de piège. Leurs propriétés médicinales, toxiques, cosmétiques. La belladone, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Ah. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabiha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassiallah. Ouh ! Ça me fait peur. Servante loin. En l'absence de Kabiha, je... Merci beaucoup, Cyril. C'est très gentil, merci. Elle t'a abandonné, Makira. Maîtresse, 100 fois et ingrate. Pour la Bokado à Zozo Design. Ou désigne. Je sais pas. Design. Merci beaucoup. Tu aurais dû me dire ça. Cela ne changera rien. Merci beaucoup. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Elle l'a tellement piégé. Mais ça sentait un peu le piège. Belle unité. Mais j'imaginais autre chose. Taillé pour toi. Il s'est fait en tubette, le nulos. Je ne peux rien pour Fala. Merci beaucoup. Si c'est Kabiha qui... C'est très gentil. Je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. Le nul, un peu le nul. Un peu le nul. Par contre, on va changer de costume, là j'y pep. Pour le moment, tétons. On verra tantôt le reste. Juste en tubette, un peu. Encore un merci, Cyril, c'est très gentil. Très très gentil. Examiner le tribunal. Bon, on a fait ça. Retrouver Arib. Examiner le tribunal. Arib, c'est pas très loin, je crois. Mais on a une compétence à mettre. Et je pense que je vais mettre celle du... Ah bah non, mais j'ai que 2 points, j'aimerais bien en avoir 3. Ça va être bien en fait, ça. Et c'est où la suite? Bon, on va faire ça. Par contre, sur le chemin... Non. Sur le chemin, ce serait pas mal que je chope un vendeur, un truc. Quoique non, il me faudrait un truc pour les outils. Ce serait pas mal. Ah, il y a ça à prendre. Je l'avais vu de loin, ça. Voilà. Ah merde, c'est pas le bon dromadaire, j'ai pris l'autre. Et une assiette qui vole. Tout va bien. Pas très utile. Merde, j'ai pris le mauvais dromadaire. Eh, franchement, ça vous énerve pas, vous? Quand vous sortez de votre harem, enfin d'un harem, hein, et que vous prenez le mauvais dromadaire, genre... Trop chiant. Trop relou quand ça fait ça. Je peux pas monter l'escalier avec un dromadaire. Vous êtes une super relation parasociale. Merci beaucoup, c'est un joli compliment, ça, Buisson Delphine. Des gros bisous. Bonne nuit à toi. Si c'est l'homme en question, il serait sage de l'affronter, non? Ah mais non, mais je suis loin en fait. Il y a des trucs sur le chemin. Ah mais j'ai pas de TP plus proche. C'est quoi ça? Cartographe, ah oui. Va-t'en, attendez, j'ai pris des fruits sur un buisson. Ouais, je suis en train complètement de passer par un autre chemin. J'ai pris des baies sur un buisson et j'entends quelqu'un me dire « Va-t'en vite !» Ce n'est rien. Hein.
Bouge par les baisses et du poison. Je suis recherché, je sais pas pourquoi. Parce que je bouscule les gens. Ah, j'ai volé un dromadaire. Oh, mais je commets tellement de crimes. Bien différente des masures d'Anbar. Laquelle ? Celle-là ? Moi j'y vais. Merci beaucoup Cyril qui a offert un sub sans même avoir follow. Ça se trouve, tu vas regretter. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est ça la demeure, la belle demeure? Ouais, je veux mieux, hein. Ouais, c'est pas fou, hein. Bonsoir, Affabulatus. Ça va bien. Ça va bien, on avance. J'ai un peu vu que c'est pas follow. Et toi donc, comment vas-tu? Ah non mais attends. Oula! Oh, la chute de FPS bien balèze. Attendez, si je fais ça. Ah, elle est là la fiche. Attendez, je vais la virer tant que je peux. Pas très ressemblant. Voilà. Elle pourrait être membre de l'ordre, elle vit dans une belle maison. Mais je la vois pas la belle maison. Enfin, vite fait quoi. Ah mais attendez, faut que je regarde autour de moi. C'est là? Ça c'est une belle maison ça. Ça a l'air bien. Ici ça a l'air bien. Ah bon, en plus j'ai un truc à prendre ici. On a vu du orange. Non, ça c'est des gardes. Mais je suis où par rapport... Ah oui, non, je suis loin. D'accord. Attendez. Mettre un point. Voilà. Pardon, je suis trop loin. J'ai envie d'éternuer. Bisous, Titi Belle, bonne nuit. La reine des assassins, ouais. Avec un téton toujours, hein. C'est important. Je vais par là. Merci beaucoup, bonne nuit. Le renard et le chasseur. Ah oui, peut-être reste par là. Ce point rouge. Qu'elle soit chez elle. Ah oui, d'accord. Fallait que j'active le point. Tu ne m'éloigneras pas de mes... Let's go. C'est ma maison. Financée par ma générosité. Financée par mon génie. J'arrive quand ça parle de téton. Toujours. Regarde. Regarde ce téton chatoyant. Dédicace. Tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Adieu. Tu veux être son mécène. C'est un honneur, ça y est. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment? J'ai été ému au plus profond de mon être par ces mots. Il y avait des stalkers à l'époque? Du ciel et de la mer. Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. Ça manque de piercing, c'est vrai, c'est vrai. Presque autant que d'un petit tatou là. Et tout aussi fausse. Nous savons tous les deux quel masque elle porte, non? Un masque, Saïdi? Assez de Saïdi. Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Ah. Tu crois que je ne t'ai pas vu, là, à rôder dans l'ombre. Elle ne prend pas trop dans l'ombre, en vrai. Vos intrigues, vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides, je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé. Hein? Ah, d'accord. Va donc les chercher au bureau du courrier. Ok, ils me prennent pour un stalker, justement. Enterre-les.
Fais-en bien ce que tu voudras. Ça a lagué un peu. Même t'étouffer avec. Oh. La trahison par le téton. Demeure de la poétesse. Pour un templier, non, je pense qu'ils m'ont pris pour un... stupide, rendez-vous secret. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'ordre des anciens. Ah bah si j'ai rien dit, excuse-moi. Le tableau au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. J'ai écouté qu'à moitié. Tout à fait, voyons ça fait. Ce que tu portes, poétesse. Un membre de l'ordre des anciens. Bim, j'avoue. Oh, je voulais ma... Mais il se rattrape pas. Je voulais me rattraper à ça, fais chier. C'est loin ? J'ai pas vu. Ouais, peut-être un TP. Ah, c'est ici. Ah. Bah non, y a pas trop de TP, quoi. C'est pas grave, hein. Parfois, je dis des trucs intelligents, mais promis, je me soigne. T'inquiète. C'est moi qui ai écouté qu'à moitié. Comme souvent. Mais bon, c'est son téton. Pas de ma faute. Au bout d'un moment, cette excuse, elle passera plus quand il sera habillé. Oh, ça va. C'est assez rapide. Ok. Bureau de poste. Courrier. Je vais faire comme les Ouyun. Les Ouyun ? Fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. Mais je suis pas sûr qu'il me laisse entrer, hein. Tu ne peux pas entrer à cette heure. Dingue. J'étais avec Iqbal le jour où le mur s'est effondré. J'ai le droit d'aller, d'être là ? Pour entendre les cris ou autre chose. Oui, ça va. On a vu le résultat juste après. Bravo à voir. Là, j'ai moins le droit, là. Oh. Ah, regardez. Oui, là, j'ai le droit d'être là. Ok, pour le moment, c'est ok. On m'accepte. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Le jeu, j'ai trop paré. Oh joli, par contre l'exécute. Faites arrêter. Ouais, je fasse cette voix, ça me fait mal à la gorge. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Oui, merci. Non mais fais un effort s'il te plaît, va juste tout droit. Je sais pas pourquoi il fait des fois des moves bizarres. Je continue à aller tout droit mais il a tourné tout seul. Il a pas voulu. Par où que je dois aller? Ah oui, d'accord, c'est toutes les lettres et tout. Ok, elles sont en bas. Je vais y aller de ce pas. Il doit y avoir du courrier dessus. Ah, j'aurais dû faire un truc, j'aurais dû faire ça. Ah non! Ça marche, Cyril, merci beaucoup encore. Des gros bisous. Ça va, je peux pas paniquer. Non, mais j'utilise pas mon pouvoir, je l'oublie. Alors qu'en plus, j'ai plein de recharges de manpower. C'est le conflit. C'est bon, le conflit m'a quitté de lui-même. Il doit y avoir du courrier de tous les... Quand tu tues l'adversaire, il y a plus de conflit. Reste à trouver celui... Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, tu quittes le jardin et suis la souris. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Athalab quitte le jardin et suit la souris. Ah, mais c'est trop deck parce que... C'est barricadé, hein? Vous pouvez pas passer, hein? C'est barricadé, hein? Harib serait-elle à Thal? Elle est nulle. Sen a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Harib et voir où me mène la renarde. Oui. J'écoutais pas encore. J'étais juste contente qu'il puisse pas passer, ça me fait rire.
Très cher Harib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis luxuriante aux fruits gorgés de soleil. Tes mots apaisent mon âme, Silas. Dis-moi, puis tu ressens la même chose. Mince, mon Artune, il fait n'importe quoi. Oh, mon toutou, non. Ok. J'ai besoin de tout lire, non? C'est bon. Assister au récital, non, c'est bon. Vilains champs de péché où je le ferai de... Tu flattes les bas instincts de ceux qui valent mieux que toi pour les conduire à la ruine. Fais taire ces champs de péché et je le ferai de mes mains. Menace. Tout à fait. Là, c'était moins dans la séduction, plus dans l'action. Action un petit peu tranchée. De 15 dinars est échu et qu'il convient instamment de... Oh, il y a une dette. Pas ça. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Je crois que j'ai eu tout ce que je voulais. Il y a autre chose que je veux là-haut. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que je veux. Mets-toi devant. Merci. Cassos. Oui, je peux sortir tranquille. On va tenter. C'est bon, c'est facile. Ok, je vais assister au récital. Oh, c'est pas loin. Je vais aller dans les jardins, remettre sa lettre à... Mais à l'époque, certains hommes traitaient les femmes de prostituées. Disons que c'est... oui, enfin... c'est même très ancien, hein, comme manière de considérer les femmes, c'est pas nouveau, ouais. Effectivement. Mais bon, là c'est une artiste, une poétesse. Frappe comme le que tu sois, océan, désert, cobra, colombe. Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Sympa ton slam. Nous nous connaissons? Approche, ne sois pas timide. Je mords rarement et je ne laisse jamais de marque. On s'est déjà vu, hein, madame. Hein. J'avais le même téton. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Ton téton l'attire, tu vois. Comment es-tu tombé sur cette lettre? Qui t'a chargé de ça? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits? Je t'avais prévenu, fils de chien! Viens, Harib. Où dis-nous? Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé et sans qui tu ne serais rien? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparais. Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Ouais, face aux gardes, je sais pas si ça me ferait quelque chose. Attendu quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Comment elle s'en va en mode... Ah, déchette. Zut, j'ai raté. Est stylé un peu. Parti à son rendez-vous secret. Je dois me dépêcher. Oui. La lettre ordonnait à Tharlab de quitter le jardin et de suivre la souris. Ça je prends et ça je prends aussi. Perdu Harib. Tu veux les symboles de souris, hein? Qu'est-ce que tu racontes, le jeu? T'as pété un câble. Oh mais c'est comme des gerbilles. Des gerbilles du désert. Mais oui. Ok, je suis. Okay.
être discret, hein. Ça va, c'est qu'un coffre, oh là là. Du coup, elle est où la gerbille? Je l'ai perdue. Je l'ai perdue pour 15 dirhams, je crois. J'ai aussi alerté la police. Qu'est-ce qui se passe? Je n'échouerai pas. Épargne-moi tes bavardages. Je ne peux pas t'échapper. Oh, il est venu. Ça dégoûte. Ah, j'ai raté. Je vais tellement die. La Béjarbie versus le papillon. Le papillon win. Mais non, j'étais... C'était l'occasion de loot, c'est tout. Oh mince, je pensais qu'il y avait des oiseaux. Hop là, on va se fondre. Ah, je peux pas. Merde, je peux pas. Ah, allez. Allez. Ça se passe super. Ok, ok, ok. Du coup, les germes, elles sont où? Elles sont par là. Je cherche la germie. Oh, elle est là-bas. Hey, c'est quoi ça? Je peux voler? Écarté. Une autre miette à suivre. Je commence à me lasser de cette poursuite. Ah oui, il y avait une gerbille là, oui d'accord. Pour ça, je la trouvais pas. Ouais, j'ai besoin de me heal là. J'ai l'air de regarder vers le haut, non? Pas du tout. Ah! Là, regarde par là. Je trouve plus. Elle est là. Il regarde par là. Du coup, je comprends qu'il faut que je prenne l'escalier. Peut-être par là. Bon, je vais aller par là, on va voir. Et j'en viens. Et je vois pas du tout, hein. Ah, j'espère qu'il y a un symbole derrière, mais non. Du coup, j'ai fait hurler tout le quartier. Sont sensibles. Hein. C'est pas un lapin ces images. Je pense que c'est des gerbilles. Ou des bestioles un peu du genre.
que Jarvis a de petites oreilles. Là, ça, ça a des grandes oreilles, effectivement. Mais c'est petites souris, petits rongeurs du désert, quoi, qui sont un peu différents. Qui ont des grandes pattes et qui sautillent. Mais effectivement, ça fait lapin, ouais. J'ai perdu la trace. Oh non. Mais arrêtez de tous gémir. C'est moi qui râle, pas vous. On repart. On retourne vers le point parce que j'ai perdu la trace. Ah oui, j'ai bien perdu là, je trouve une seule souris. Bon, on recommence. C'est parti. Ah mais ça apparaît. Ah si. Je me suis dit mais attends, elles apparaissent plus. Ici c'était derrière l'âne, il me semble, un moment. Et après par là? Non, non, ben non, mais j'ai encore perdu la trace, mais c'est ouf! Ça me fait mal aux yeux les flashs lumineux, à chaque fois que je passe en vision d'aigle. Ça me nique les yeux. Repérer pourquoi j'ai rien fait du tout. Je suis à moitié recherché sans aucune raison. Ah voilà. Il est par là, il est rouge. Il est par là. Punaise, qu'est-ce que c'est chiant. Je comprends qu'il faut que je monte, mais vu que je vois pas de trucs qui me confirment ou pas en haut, bah je sais pas. C'est un sup en vrai ce truc. Et on peut même pas courir avec la vision d'aigle. Un peu plus, au cas où il y a une dermie sur le sol quelque part. Oh bah ça d'où vient ça? Je comprends pas par où je dois aller. Faire le tour doucement. Ah là-bas peut-être ?
Non, ça n'a pas l'air. Suivre la souris. Ah si. Franchement. Oh, qu'est-ce que c'est du chaud. Désolé, j'ai mis vachement de temps. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, ma réputation. Je dois être aimable, discret. Merci, catholique. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Toi, jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. Courtisan, calife, mécène, amant, tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à 6 califes. Je survivrai... à 6 autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder. Par qui que ce soit. Ok, mais en quoi ça nous aide de savoir ça? Rendez-vous secret. Nom de code. Aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant, elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas Harib en personne, mais un admirateur. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Ok, donc on est où? Et on va devoir faire ça. Ok. Mais avant, je vais passer me chercher des outils. Attendez, je vais regarder où c'est. On va essayer de s'en approcher un peu. Oh, mais je peux pas. Bon, au pire, il y a un point de TP pas loin. Je vais aller dans un bâtiment d'assassins. Moi, je pense que le chef de l'ordre, c'est toujours Nihal. Ou en tout cas, qu'elle en fait partie. Voilà. Pas chef, peut-être pas chef, en vrai. Mais elle en fait partie, quoi. Moi. Je sens bien cette histoire. Puis sinon, de toute façon, elle est nulle. M'a saoulé. On désire ce qui est interdit. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Tu sais parce que t'as envie de la tuer? Ouais. J'aimerais faire appel à ton savoir. Voilà ce que je possède. Je l'aime pas. Employez vos points de compétence. C'est quoi le point de compétence? C'est quoi les outils plutôt? Ça, c'est un feu d'artifice. Bon, je vais débloquer celui-là. Tu en Attendez. As eu assez? Ah, non, j'ai fait améliorer. Débloquer. Tu n'es sans doute pas resté les. Tiens, regarde. Voilà. Explosif de proximité non létal. Sarbacane. Oh, Sarbacane, ça a l'air bien. Ce sera tout? Non. Tes compétences me seraient sûrement. Je t'en prie. Moi, je vais améliorer tout de suite ma Sarbacane si je peux. Normalement, je peux. Oh non, j'ai pas ce qu'il faut. Oh non, j'ai pas ce qu'il faut. Bah, tant pis. Rien d'autre? Il me faut des couteaux. Ah, j'ai eu qu'une bombe fumigène, mais c'est pourri. Oh, c'est trop nul. Ok. Bon. Je suis déçu. Normalement, il y a un autre coffre ici. Souvent. Pas du tout. Il va falloir que je fasse le plein en vrai, hein, avant de continuer de ça. On va aller voir un négociant. Salut Swift. C'est très gentil, merci pour ton message, des gros bisous. Et la team Téton est toujours présente, évidemment. Le Téton gagnera, le Téton vaincra. Et personne n'en doute ici. Merci beaucoup pour ton gentil message, t'es trop mignon, des gros bisous à toi. Oh,
Et puis on arrive vers la fin, hein, donc ceux qui veulent pas se spoil, et ben on arrive vers la fin. La paix, mon ami. Ravi de... Ils sont jolis tous les cœurs. La paix, mon ami. Puis-je voir tes marchandises? Bah oui. Je viens de me réapprovisionner. Merci beaucoup, c'est gentil, très bonne nuit à toi, Aspil. Jamais sortir sans. Je fuis, oui, fuis donc, des gros bisous. Vendu. Voilà qui est utile pour renforcer son équipement. Plein de trucs à vendre. Je vais m'acheter une teinture, même si elle me sert peut-être à rien. Toutes les émotes. Trop mimes. Trop mimi. Plus rien, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Partir. Mais B marche pas pour partir, c'est bizarre. Enfin, c'est perturbant. Faudra que tu me montres la prochaine fois. Eh bien, je vais arrêter la VOD ici, et puis je relance une tout de suite. Des bisous VOD.